Je vais pas te frapper aujourd'hui. T'es tout petit? Mais je te fume. Pareil. Question à te poser, Louis. En 5 ans de carrière avec moi, là, combien de temps qu'on se connaît? Ouais, c'est bon. Est-ce qu'une seule fois dans ta carrière avec moi, je t'ai dit de m'attendre à l'étage? Je te l'ai dit une fois ou pas? Non, jamais. Jamais. Pourquoi tu m'attends à l'étage? C'est très bien qu'on fait toujours l'intro dehors. Tu sais pourquoi je vais pas te frapper? Parce que je vais frapper Greg MMA aujourd'hui. C'est ça le projet. Vous l'attendiez cette vidéo, c'est aujourd'hui que ça arrive, quoi. On est à République devant le club Maccabi. T'es déjà venu une fois ici, mais on n'a pas sorti la vidéo parce que le son était pourri. Ouais! Non, je te voyais chauve. Ah ok. Je te voyais une équipe de chauves. Karate Bushido, une équipe de chauves. Ouais, je sais pas pourquoi, j'avais une image d'un chauve. Genre Vin Diesel, tu vois. Ok, désolé. Bon, c'est pas grave. Il est immense. Arrête de me filmer. Il est immense, mais t'es tout petit finalement. T'es immense, mon gars. T'es tout petit. Ah non, mais je pensais pas. Ah bon? Ah non. Moi, j'en avais plus grand. Je crois que mon frère, il a entraîné ici. Comment il s'appelle? Jonathan Pérez. Mais oui, Jonathan. Non. Non, aucune idée. Ah, putain, tu l'as bien fait, mec. Hein. J'étais content. Laissez-moi tranquille avec Samantha à 5 minutes. Allez-y. Je suis là, vous, messieurs. Déshabillez-vous, j'arrive. Pour le coup, lui, il ressemble à Vin Diesel un peu. C'est quoi ton métier? Je suis vidéaste, photographe. Ok. Journaliste. Ok. Pour Karate Bushido. Ah oui, oui. Pardon, excuse-moi. Greg, putain, il est immense, quoi. Regarde, je fais ça. Hier, j'ai fait du deadlift très lourd, regarde. Je sens que mon dos, il est pris, là. Faut pas faire ça, mec. Attends, je vais tester sur toi, mec. Il y a un truc avec la hanche. Ah! Bah oui. Ah, t'as mis ton genou, connard! J'ai mal à mon orteil! J'ai déjà fait l'amour à une fille dans les. Vraiment? Non. Elle est pas venue! tu parles d'une femme là? Ouais. Fais attention, mec, hein, parce qu'aujourd'hui on peut plus rien dire. Hein. Pourquoi c'est joli les Ouais, on a plus rien à dire. Fais attention. Non, vraiment, fais attention. T'as 40 ans. 43 ans. Putain. C'est bien d'être comme ça à 43 ans. Bah ouais. Hein. C'est super, t'es sec. C'est pas mal. Toi, t'es bien en ce moment aussi. Ça va. Je suis gras. Ah si, j'ai vu les vidéos. Ouais, ça va, ça. Mais je croyais que t'étais plus grand que ça. Non, moi je te voyais pas si grand par contre, ça va être compliqué. Hein. Du coup, je vois ta calvitie. Non, arrête, putain. Regarde, il parle lui. Il s'est rasé court. C'est vrai que là, c'est un peu clairsemé là. Hein. C'est vrai que lui, quand il est grand comme ça, là, il a une vue ici, tu vois. Ça se voit pas plus que ça. Normalement, je fais des reps à 110. Bah, ouais. Ouais, j'en ai fait ouais, 5. Ouais. C'est pas ouf, hein. Non, mais je te le fume, moi. Ah, mais tu m'essayes. J'en fais 11 à 110, moi. Non. Si, si, j'ai une vidéo qui témoigne. Tu connais le RMGym? Oui. Bah, au RMGym, j'ai des bonnes perfs, là. Ah, bah, au RMGym, ils ont des bonnes perfs. Ça va, il est marrant. L'échauffement, c'est quoi? Alors, l'échauffement, ça consiste à augmenter le système cardiovasculaire. Ouais. Et les articulations, tu les lubrifies avec de la. Comment ça s'appelle ça? Non, c'est pas ça que je demandais. Des polymucosaccharides. Oui? Je demandais c'est quoi qu'on allait faire comme échauffement? On va faire des exercices à deux, des enchaînements. Ça marche. Et après, on se bat? On se bat en mode. T'es mon pote? Oui, bah oui. C'est vrai que tu fais des films, toi? Oui, enfin. Oui. Il l'a dit vite. Oui, enfin, oui. C'est quoi ton film que tu veux faire là du coup? C'est un film sur le body. Ah bon? Ouais, il est écrit, il y a une prod qui est intéressée. Hein, si on peut, je commence à en parler. Si, ça y est. Un film d'auteur sur la muscu? Ouais. Ah, d'accord. Ouais. Et Greg aussi, il vient de se faire valider par Nutrimus. La team Nutrimus qui est en train de se former là, c'est que les meilleurs athlètes possibles. Dans leur catégorie, tu vois. Et moi, je fais partie de cette team là. Ouais, comment tu t'es fait ça? Oui, c'est la vidéo, j'ai pas vu. Tu as regardé ma vidéo? Non, je l'ai pas vu, je t'avoue. Mais pourquoi tu regardes pas? Mais parce que mec, j'ai une vie. C'est toi qui mets les pouces bleus? Oui. J'en dis n'importe quoi, il a dit oui. Oui? Non, j'ai pas le temps, j'ai une fille, il a une fille ou si t'as une fille? Une fille, non. Voilà. T'as un garçon? Non. Ah là? Pas d'histoire. Un transgenre. Il a des vannes. T'as un truc à dire là-dessus? Non, y'a pas de problème. Tu ressembles à un trans. Et aujourd'hui, je te dis, on va faire du kickboxing, je vais te montrer quelques techniques. Ok. Avec le gros casque comme ça, et excellent. Aucun bobo. Mais tu me fais pas mal. Enfin, non, vas-y, tranquille. Je suis pas con. Tout à l'heure, j'ai fait ça à Louis, tu vois, il a fait ça, il a mis son genou, ça m'a niqué, tu vois. Mais c'est vrai, c'est vraiment niqué. Ouais. Bon. Et on commence à dire que je suis chargé, lui. Ça, c'est le bon compliment. C'est sympa. Pour moi, c'est pas un compliment. Mais si. Ah, non, mais c'est un compliment. Le doute, c'est relou. Le fait est que t'as un physique de chargé, c'est bien. Non, je crois pas. Non, pas toi, mais moi, je l'ai vu tout de suite. Ouais. Que je suis chargé? Non, que tu traces pas. Et alors? Non, mais voilà, je sais tout. Et toi? Le ventre? Bien sûr. Pas mal. Regardez-moi ça. 43 ans, putain. Tu sais, à 43 ans, t'es pas comme ça, mec. Hein. Ah non. La plupart des gens, toi. T'as quel âge, toi, Baba? Moi, j'ai 30. Ouais. T'es 32, putain! T'es Sagittaire? Ah oui. Ah ouais? Tu sais? Mais je sais pas, c'était le. Non, c'est des conneries, je suis bélier. Putain, je suis un gros troll, je suis pire troll que toi, tu crois quoi? Non! Peut-être mettre du déodorant.
Non, j'en mets plus, moi. Ok. Ah ouais, putain. Mais dans une, dans les pubs Dove, ils font un bisou, hein. Ah ouais, non. Vas-y, je vais pas mettre de déo, moi, c'est pas à ce point, là. Je te donne 20 euros, tu m'embrasses les selles. 30. Je voulais te dire un truc intéressant. Qu'est-ce que tu m'as dit? Perte de virilité. Déodorant. Déodorant. Viens, se sus. Non, ça, c'était, ça sera tout à l'heure. Ok. Puis ce sera forcé, puis t'auras pas le choix, donc. Allez, viens, on se bat, là. Ouais, j'arrive. On chauffe un peu. Tu veux qu'on se batte direct? Ouais, vas-y. Direct. Vas-y. Sauti. Bah, la dernière fois que j'avais fait avec un youtubeur. Allez, développe là. C'était comme ta vidéo, toi. Tes vidéos. Ouais. Vu que t'ouvres ta gueule, ouais, tu vas avoir un physique de ouf, tu peux pas te débiner. Non, je l'ai fait tellement de fois. Voilà. Mais moi, j'avais des excuses, on va dire. Blessure, tu deviens daron. Toujours des excuses. Ah non, c'est des trucs. J'ai voulu, hein, mais j'ai pas réussi à tenir. Non, parce que je suis pas sportif, moi. Je le dis, je suis pas un sportif. Beaucoup de gens, ils disent, ouais, c'est un mec, il est comme nous, c'est pas un sportif. Ouais. Il a pas ça dans le sang, mais il le fait quand même, tu vois. Ouais. Moi, mon frère, c'est un sportif. Tu me fais penser à mon frère. Pour lui, c'est naturel de faire tout ça, tu vois. C'est pour ça qu'on m'attaque des fois en mode, ouais, il tient pas. Il tient pas, et alors? C'est normal de se... Bah, y a assez peu de gens qui montrent leurs faiblesses sur YouTube, tu vois. Bah oui, c'est ça, d'ailleurs. Mais ne fais pas ça, tu les détends, frérot. Ah, pardon. Moi, je viens, on se bat, là. Non, parce que j'ai quand même gagné la question pour un champion 3 fois de suite. Non, il gagne. Ça va être infernal, ce montage, mec. Hein. Il va être infernal. J'évite le bruit de la machine, j'essaie de faire... Ouais, t'es un vrai technicien, t'es pas ça, lui, quoi. Ouais, c'est vrai. Faut le tourner 8 fois, ça fait une prière. Qu'est-ce qu'il y a, toi? C'est quoi, ça? C'est une Zouza. Portable. Ouais. J'ai commencé tous les arts martiaux et la muscu à 17 ans. Ah ouais? Si c'est ancré toute ta vie, tu seras comme ça. Bah, j'espère, mais... Tu vas à peine perdre en vieillissant, à peine. Ouais. Et tu considères que t'es très fort, toi? Les bases? Bah, par rapport aux gens normaux, je suis très fort. Non, mais par rapport dans ta catégorie, je parle. J'étais numéro 1 français pendant quelques années. Dans les années 2000, je crois. 2005, 2010. Bah, j'ai combattu quoi? 5 combattants de l'UFC. Mm-hmm. Et j'en ai battu 3. D'accord. Quoi pour toi le meilleur art martial du coup? Eh ben ça dépend de l'objectif. C'est ce que je dis toujours, on me pose souvent cette question, parce que développer couché c'est le meilleur. C'est le meilleur si tatati tatata. C'est les sports de préhension qui sont les meilleurs. C'est quoi préhension? En 1 contre 1. Okay. En 1 contre 1. Donc préhension c'est attraper. Quand tu les fais se rencontrer les uns contre les autres, c'est ce qu'on a vu lors des premiers UFC en 1993, c'était que les lutteurs battaient les frappeurs. Mmh. Alors qu'avant on avait cette image d'Épinal, où le karatéka, avec un seul coup de poing, pouvait détruire quelqu'un. Je suis sûr que je vais voir mon frère là-dedans, je sais pas pourquoi. Comment tu dis, Jonathan? Pérest. Non. Non, il est pas là. Ah, il y a d'autres posters là-bas. Ah, c'est lui. C'est bon, il est là. Il y a un air de ressemblance. Ah, bravo. Patrick Fury. Très très grand combattant. Ah, tu rends bien, hein. Il rend moins bien, lui. Alors lui, c'est le directeur. Ouais. Il nous a mis en dessous, il s'est mis au-dessus. Ouais, mais ça le fait pas du tout. C'est l'initiation à la baston. Moi, je suis pas du tout combattant, vraiment pas. J'avais fait une petite initiation à la boxe thaï quand j'ai fait un tournage de web-série où je devais apprendre un petit peu avec la Kerner Team, tu connais un peu? Ouais. Guillaume Kerner? Bien sûr. L'ange blond. Ouais. Non, du coup, j'ai fait quoi 4-5 cours là-bas, mais j'étais plus focus tournage. Et j'ai bien aimé quand j'ai fait ça, tu vois. Ça crève, quoi. C'est, bien sûr, ça crève. C'est hyper agréable. Moi, quand j'étais là-bas, je faisais pas de combat. Que les exercices. Exercices et des rounds où il faisait... Ouais, tu vois, il te laisse ton c'est truc exactement comme ça. Ça, je vois tout à fait ça. Et il me fait 1, 2, 3, et au bout d'un moment, il t'arrive à tenir 4 rounds, c'est bien. Tu peux faire un combat, c'est-à-dire que si tu tiens 4 rounds, ton cardio il commence à être bon, tu vois. Et après, j'ai fait mon tournage, j'ai dit bah merci, au revoir. Voilà. Hier, j'ai fait du développé couché. Ouais. À 190, j'ai fait des raids. C'est ça du développé couché? Il s'y connaît, hein. C'est très bien. C'est bon, la hanche? C'est excellent. Ça va? J'aime les deux. La beauté du corps. Mais t'as un beau corps, vraiment. La muscu, ça. Sauf les mollets, et Non, c'est bien, ils sont affûtés. Ils sont ridicules. Ouais. Ouais, c'est ridicule. Ouais, on dirait des putains de carottes. Ouais, t'as vu. Un maître, qui s'appelle Henri Play, et qui avait... Superbe, ça. Ça s'appelle l'œuf moisi. Il est en rediffusion, alors, ton gars? Oui, ouais, ouais, on me l'a déjà dit, ça. Bah oui, c'est vrai. Putain, ça m'a bien échauffé, l'œuf moisi. Mmh. Ouais. Et du coup, ce que disait Henri Play, il disait que, bizarrement... Il est en rediffusion. Henri Play, qu'est-ce qu'il a dit? Bah, il disait que étonnamment. Il est en rediffusion, non? C'est très chiant ce truc. C'est ça où je te pète le nez. Tu comptes me frapper la tête? Hein? Tu comptes me frapper la tête? Ouais. Oh non. Je pense que je vais lui péter la gueule. Tu te prends pour qui? Non, je suis en train de lui dire que je serai pas à temps pour aller récupérer ma fiche. Je dis un truc super gentil. T'as un bouton. Toi, t'as des dents jaunes de fou. Hein. Hey!
Tu m'as l'air d'avoir du talent. Tu trouves? Ouais. Bah le coup de pied est excellent. Non. Excellent. Putain, vraiment? Tu dis pas ça pour me brancher? Oh non, non, non. Ah, ça fait plaisir. J'aime bien quand on me dit des trucs comme ça. Ouais. Si c'est pas beau, je remets le t-shirt. Putain, c'est bien, hein. Ça va? J'ai un bon dos, je crois. Super. T'es circoncis, sinon je... Oh! Yo, hey! Ouais, ça sent un peu, hein. Mais j'ai mis du parfum dessus. Ouais, mais c'est des trucs de roi, ça. On met du parfum par-dessus des trucs qui puent. C'est vrai, ça? Ouais. Il faisait ça, c'est con. Il se lavait pas, c'est con. Bah là, l'eau, il pensait que ça amenait les maladies. Non, je crois que c'était un... Si. Il y avait un mélange de non, plein non, de choses. Non, cherche pas. Ah bon? Yo, hey! Dis la vérité. Non, ça sent bon. Voilà. Et toi, tu gagnes ta vie à la base avec Karaté Bushido? Non, moi je suis coach sportif. Ok. Prof de muscu. Ah bon? D'arts martiaux. Oui. De muscu aussi? Ouais. Diplômé et tout, ouais. Ouvre-moi le gant. Mais c'est toi qui frappe? Non, mais on va le faire chez moi. Ça touche. Bravo. Bon, j'en barrière dans la cuisse. Okay. Oui. Bien. Un, deux. Comment ça, il tape fort? Je tape fort? Bah oui. Je contrôle pas ma force. Il va te décaler légèrement, pivoter et venir sur mon extérieur. Hein? Ouais, oui. Ça, tu sors de mon axe. Hein? Moi, si je veux. Vas-y, sors. Sors de ton axe. Boum, ouais. T'as vu? Souffle, à chaque fois. Prends-moi le dos. Non, ça fait pas mal. Je le sens! Ah bon? Ouais. Tu frappes fort quand même. Ah non. Ah si. Ah non. Sur mon élève que tu as vu tout à l'heure, c'est ce que je faisais. Moi, je suis pas un élève. Tu es quoi? Je suis un los. Un los? Ouais. Un bolos? Ouais. C'est ça que ça veut dire? Ouais, je suis un client. C'est un Yankee. Un Yankee. Un Yankee. Allez. Un los. Un. Deux. Pas mal. Moi, si je fais ça, ça va être ridicule. Hein. Ah, tu veux la même, c'est ça que tu veux? Ah non, non. Viens, ça. Ça fait bien, ça. Tu es un bailleur? Boum. Ah, mais comme je suis à Louis en général, quoi. Boum. Pas mal. Pense à souffler quand tu frappes. Tu arrêtes. Visiblement, non. Marre à chasser et tu ripostes. 1, 2, reprise d'appui. N'aie pas peur. Tu feras jamais mal. Mets tes bras comme ça. Et là. Ah ouais, quand même. Parade chassée, je riposte, step, boum. Mets tes bras comme ça, faut pas qu'ils descendent trop. Ok. Je te le refais une fois, doucement. Ouais, doucement, ouais. 1, 2, boum. Tu te stabilises, tu lâches. Alors, tu vas travailler ici, uppercut, crochet, et tu reviens en uppercut. C'est pas mal, ça. Allez, go. Hop. Tranquille, mec, hein, je sais pas me battre, moi. Non, lui non plus. Enfoiré! Tu mets des coups de talon dans la tête! Oui! Oh putain! Ça va venir? Ouais. Oh putain! Comment tu te sens? Je suis vidé. C'est rigolo, hein? Ouais, mais je suis vidé. Ouais. Il y a une vitesse. C'est remarquable. Parce que tu te tends beaucoup trop. Non, mais c'est un truc de fou. Il faut essayer d'être relâché. Putain. Et ça vient avec l'expérience. L'entraînement. La pratique. Mmh. Moi aussi, quand j'ai peur avec des grands champions, je me fatigue très vite. Mais c'est un truc de fou. Je sentais la force partir. Ouais. Au fil des secondes. Ouais. Non, comme si j'étais dans un rêve, j'avais aucune force. Ah bon? Tu sais, t'es dans un rêve. Ouais. Ta force, c'est ça, quoi. Tu sais, vraiment, j'ai mis un coup, je fais, oh ouais. Putain, j'ai plus de force. Bah, c'est un petit peu ça quand tu fais des combats, y'a plus rien qui existe, t'as remarqué? Bah oui, là oui. C'est un petit peu, je suis où? Je suis en train de me battre. T'as bien aimé notre échange, on fera du MMA. Ouais, ça marche. Tout sans le casque, sans rien. À point nu. Sans les gants, sans rien. J'ai aucun cardio, mec. Et puis c'est un cardio qui est spécifique. À la fois le stress que ça engendre, ouais. Quand t'es stressé, tu perds beaucoup d'énergie, vite. Essaye de l'embêter aussi, avec ton bras avant. Le bras avant, c'est le plus chiant. T'es droitier. Ouais. Tu te sers ton bras gauche.
Ça te permet de récupérer, de... Okay. De temporiser. Voilà, temporiser, comme dit. Bon, je mets le banc. Ah, il va sonner, hein. Tu le mets comme ça. Coup de talon dans le crâne. Parce que rien que là, en plus, tu retiens ton coup. Ouais. Ton talon, je l'ai bien senti, là. Ouais, ouais, ouais. Ça sonne encore un peu, là. Je sais pas si je vais tenir. On va voir. Allez, go. Je suis déjà à bout de souffle, là. Parti. Ouais. Allez. Voilà, voilà. On n'abandonne pas. On n'abandonne pas. Allez, c'est bientôt fini. Je les comprends, les mecs. Quand ils sont là, comme ça. Oui. Ok. Abner, t'es en PLS? Comment tu te sens? Je suis bidé. T'avais jamais fait ça? Non. De ta vie? Si. Mais pas comme ça. Pas en combat. J'ai jamais battu. Voilà. Ça, tu vois, c'était une première. C'est ce qu'on fait souvent avec les copains. Bon, on y va plus fort, bien sûr. J'imagine. Mais on met les casques. Tu sais, de toucher vraiment, de se frapper vraiment. Ouais. Donc c'est pas mal. C'est un bon baptême du feu. Ouais, tranquille. J'ai même pas réussi à te toucher. Si, 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 si. Pour les coups de pied, c'est pareil. Ton coup de pied, il est très bon, en fait. Mais tu cours vers le mec. Et le mec, il doit venir à 100 mètres, tu vois. Faut que ce soit beaucoup plus furtif, quoi. C'est surtout pas un sport de brute, même si c'est un sport violent. Mais si t'es juste une brute qui envoie des coups n'importe comment, tu vas te faire sécher. Ouais. En tout cas, moi, j'étais ravi de l'accueillir. Un petit mot pour les internautes de Karaté Bushido. Non, merci, mec. Merci à toi. Mais je pensais pas avoir à ce point un manque de cardio. C'est normal, c'est normal. À ce point-là. C'est normal. C'est normal. J'ai mis de la fréquence et je suis rentré sur toi, j'ai pas attendu. Les mecs, ils tiennent combien de rounds comme ça? Alors en boxe anglaise, ils peuvent tenir jusqu'à 12 fois 3 minutes. Cauchemar. Et là, on a fait 3 minutes 30. Alors, en MMA, les combats pour le titre, pour une ceinture mondiale, c'est 25 minutes de combat. Putain. 5 rounds de 5 minutes. En enfer. Et c'est encore plus dur parce qu'il y a les saisies, il y a la lutte. Faut avoir une force. Ah, c'est incroyable. Une endurance. Tu verras, quand on fera du MMA, c'est incroyable. Faut être complet, quoi. C'est encore... moi, je préfère encore le MMA. D'accord. J'adore la boxe, j'adore la lutte. Mais quand tu mélanges tout, c'est un kiff, frère, c'est un kiff. Oh là là. Tu te fais plaisir, tu te sens vraiment un animal. Ouais. Tu retrouves ton instinct animal et c'est vraiment génial. Ouais, bah oui, il y va. Non, il t'a pas ridicule. Si. Non. Je suis pas n'importe qui. J'étais complaisant, mais... T'es des mignons, tu me fais des coups à la con. J'étais complaisant, mais... En un coup, tu peux me coucher sans problème. Oui, mais c'est pas le problème. Bah, j'ai senti les coups de talon, mec. Hein. Oui, oui. Les coups de genoux, les coups de talon, je les ai sentis. Ouais. Ah, j'ai bon mélangé, là. Le deuxième round, c'était trop. Le premier, c'était bon, ça va, mais le deuxième... C'est en quoi, là? Vous avez fait tout? Kick. Ah, kick, ça va. Il a des bonnes bases. Non, mais il a envie. Non, mais c'est la première fois que je fais ça. Non, arrête, t'es con. Non, je te jure. C'est vrai. C'était trop dur, il m'a tué, quoi. Il m'a mis un coup de talon, là. Non, mais arrête, je te jure. Non, mais avec le casque, on mousse. Ah non, mais arrête. Le talon. Mais t'es un fou. J'ai fait doucement, j'ai posé. Attends, mais... Cacato. Comme ça. Ça s'appelle un cacato. Cacato. Des choix, tranquille. Ok, ça marche. C'est bien que tu sois vaillant avec qui aille, c'est... Non, mais c'est méritant, c'est bien. Bien sûr. Franchement, c'est bien, c'est bravo. C'est le meilleur boxeur du club. Alors lui, putain, c'est une machine. Il est plus fort que toi? Ah ouais. Ah bon? Ah ouais. T'inquiète pas que la moitié des youtubeurs, ils auraient fait ça au secours. Je voulais te toucher au moins une fois. Ah mais tu m'as touché, ouais, on verra. Hein. Tu as dû mettre quelques coups, quelques middle, correct? Mm-hmm. Quelques coups de poing. Mais c'est vrai que tu regardais beaucoup le sol à un moment. Mais en fait, quand tu t'es moulinais. Là, c'est fini. Tu moulines. T'es là et toi t'es là, bah c'est fini. Sinon, tu veux être sur la vignette de la vidéo aussi ou pas? Mais non, je vais le mettre. Écoute-moi! Cohen. Bien sûr que je vais le mettre.